5 millions. 5 millions. Mamneo, Meria Nana Kena. Ebedikok Mere Miniko Maria. Hey! Oke Muakano. Mwanya Noa. Hola, hola, Hamlia, hola, hola. Mamneo, hey! If I go there, I will be stuck. Can I come here? I'm full of wonder. Look at my life, oh. Hey, hey, hey. Get my dizzy check. Jimmy, come na joy. Men are not in a man. Men are not in a man. Hey. Suffer, suffer every day. Hey. Trouble, trouble every day. God, cause your name, God for the name. If enough, I fall for a blame. Hey, 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 hey,
Ce gari est vraiment sucré. Attends, juste un peu. Papa, ce n'est plus beaucoup. C'est moi qui dois vraiment finir ça. Ah, oh, vous deviez laisser le reste pour moi. Oh. Mets le sucre. C'est acide. Maman, nous mangeons la même chose depuis une semaine déjà. C'est la pauvreté. Non, t'inquiète pas. Hein? N'as-tu pas entendu qu'on n'a pas payé ton père au boulot? Peut-être on le fera demain. Comme ça, je ferai de la viande avec une soupe. Et je t'ajouterai de la viande, ok? Mange juste ça. D'où est-ce que tu sors? Je t'ai fouillé partout. Et qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu l'as trouvé? Tu ne me parles pas? J'ai dit, où est-ce que tu as pris ce truc? Peux-tu laisser un homme faire ce qu'il veut pour une fois? Ce n'est pas le bon moment. Je ne te laisserai pas apporter la malédiction sur toi-même. Ce n'est pas une malédiction. Ceci est un charme de bonne chance. Un charme de bonne chance, tu dis? Je ne vois rien de bon là-dedans. Ça, c'est diabolique. Et je ne te laisserai jamais entrer avec ça dans cette maison. Et bien, va vivre ailleurs! Va vivre ailleurs! Tu peux aller chez ton père si tu veux! Va vivre ailleurs! I sell my suffering. I fall for a grandmother. Yeah, every day, my suffering, suffering. Give me a mirror. Meme, nothing on my own. Meme, nothing on my own. Non, je ne te laisserai pas entrer avec ça dans cette maison. Nous devons l'enterrer le plus tôt possible, afin que nous puissions oublier tout cela. C'est pour ça que vous avez invité mon fils? Hein? L'a-t-il tué? Si c'est à cause de l'argent, je vous le dis d'abord, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent à vous donner. Il ne vous donnera rien du tout. Ugoma, ceci est une réunion de famille pour délibérer comment enterrer ta coépouse. Nous ne sommes pas là pour nous quereller avec toi. Et tu n'as pas à dire à Obi combien il doit contribuer. L'homme a été l'épouse de son père. La concubine de son père, tu veux dire? Peu importe comment tu l'appelles. Hein? Épouse, concubine, belle-mère. Cette femme était l'épouse de son père. Ugoma, est-ce que tu peux te taire et nous laisser délibérer? Naï, comment peux-tu me demander de me taire? Ne fais-je pas partie de cette famille? Hein? Allez, délibérez. Obi, tu sais très bien que ton père a des problèmes financiers tous ces derniers temps. Donc, tout ça repose sur tes épaules. Tu dois faire quelque chose. La faute à qui dans ce cas? Aidez Kwashi. Oui. J'ai entendu ce que vous avez dit. Hein? Je vais donner 10 000 naira. Hein? Beaucoup comme ça? Rien de plus, rien de moins.
10 000 naira. C'est trop ça. Oui, 10 000 naira. Il dit que c'est tout ce qu'il a. N'est-ce pas de l'argent? Question. Que peuvent bien acheter 10 000 naira? Non, dis-moi, que peuvent acheter 10 000 naira? Vous-même contribuez, non? Donnez donc plus de 10 000 naira comme vous dites que 10 000, ce n'est rien. Ugoma, peux-tu s'il te plaît nous laisser? Va-t'en d'ici. Naï, pardon, ne fais pas ça. Ne le dis plus. Tu as dit que c'est une réunion de famille. Je fais partie de cette famille. Discutons. Ugoma, est-ce que tu peux nous laisser tenir cette réunion? C'est une réunion de famille. Obi, on parle d'un enterrement ici. Quel enterrement? Hein? Quel enterrement? Écoute, Hideo Kwashi, je n'aime pas ce que tu fais là. Je n'aime pas ça. Cesse de faire comme si c'était ma responsabilité. Bien parlé. Ah, n'oublie pas que tu es le premier fils de ton père. Et ça recommence. Et alors? Hein? Et alors, c'était ma femme? C'était ma femme? Écoute, Hideo Kwashi, j'ai déjà dit ça. Tout ce que j'ai, c'est 10 000 naira. Exactement. C'est à prendre ou à laisser. Bien parlé. Ah ah! Après tout, combien de fois ai-je demandé à mon père de m'aider quand je souffrais? Hein? Tout ce qu'il a pu me donner, c'est 10 000 naira. Obi, je me souviens que ton père t'avait donné 500 000 naira à 2 reprises. Et alors? La deuxième fois qu'il t'a donné 500 000 naira, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu es allé à Manfé et tu as dilapidé cet argent. Ah ah! Et alors? Hein? 1 million! C'est ce qu'il t'a donné! 500 000, 500 000, 1 million! Que peut faire 500 000 naira un homme comme moi? Quoi? Hideo Kwashi, Ichie, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Je veux que mon épouse, Oloma, soit enterrée très très dignement. Chigo. Papa. S'il te plaît, va à l'intérieur et apporte-moi le sac que je t'ai demandé de garder. Ne donne plus rien. Tu t'imagines? 10 000 naira, c'est une grosse somme. Non, hein? C'est beaucoup. Je t'assure. Tu récolteras ce que tu sèmes. Hideo Kwashi, prends ça. Merci. Assure-toi que toute la logistique prévue pour cet enterrement soit mise en place. Ichie. Que vois-je? Paye les boissons, les tentes, le cercueil et toute autre chose nécessaire pour cet enterrement. Si cet argent n'est pas suffisant, s'il te plaît, viens me le dire. Cette réunion est terminée. Donc tu avais de l'argent pendant tout ce temps? Vraiment? Et tu ne buvais que du gari? Tu vois ça? Hein? Espèce de radin. Maman. Elle me montre de l'argent, idiot. Ce chiffre-là. Dégage d'ici. Tu barreaux. Idiot. Imbécile. Espèce de folle. Elle me montre de l'argent. Folle. Mais vraiment, 10 000 naira. Que le tonnerre vous frappe. Viens, allons-nous-en. Ne l'écoute pas. Viens, on s'en va. Combien? N'est-ce pas, il a déjà reçu l'argent. Pauvre 10 000 naira. C'est toi qui vas récolter. Laisse-moi te dire. C'est toi qui vas récolter. Vous récolterez ce que vous aimez. Ça, je le promets. N'est-ce pas, tu es plein aux as? Vous êtes venus pour ça, bande d'affamés. Chaque dépense est écrite. Maman. Mon fils, tu as vu ça? Oui. Donc ton père avait de l'argent? Tu t'imagines? Jusqu'à 200 000 naira. Je t'assure. Regarde l'argent. Je suis choquée. Hey, c'est pas croyable. Il m'a choquée. Papa, j'aimerais te parler à propos de mon école. Ah, Trigo. Si tu penses retourner à Lagos pour recommencer l'école, ne te mets pas ça en tête. Mais je veux composer mon WAEC. Oui. Tu le feras dans ce village. Et quand tu auras fini, je m'assurerai de t'amener à Londres pour approfondir ton éducation. Quoi?
C'est mon plan. Ce n'est pas une blague. Je vais fréquenter à Londres. Bien sûr. Je m'assurerai que n'importe quel pays du monde où tu voudras fréquenter, je serai le premier à me renseigner dessus et le lendemain, tu y seras. Oh mon Dieu, merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu gardes ça en tête. Demain matin, tu vas te préparer. On ira au Kiwi. On ira là-bas et on verra comment t'inscrire à l'internat des filles. On commencera par là, ok? Et ensuite, on fera plus de recherches sur les bonnes écoles dans n'importe quelle partie du monde. Où ça te plaira, je m'assurerai que... Mon mari. Wow. Les écoles les plus grandes. Ton repas est prêt. Quel repas? J'ai demandé quel repas? Ton petit déjeuner. Je ne me souviens pas d'avoir dit que j'ai faim. As-tu besoin de me dire quand tu as faim? Je dois savoir quand mon mari a faim. Dégage avec ce truc. Dégage avec, sinon je pote ça. Enlève ça, sinon je vais le poter. C'était d'enlever ça. Oh mon Dieu. Tu vois cette femme? Papa, c'est bon. Hey, c'est bon. Papa, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Écoute, si tu as besoin de nourriture... Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur, mon boss m'a demandé de vous apporter cette voiture. Waouh. Votre boss? Ouais. Voici les papiers. Merci bien. Oh, merci bien. Ah, s'il vous plaît, dites à votre boss que je le verrai très tôt, demain matin. Hein? Ok. Très bien. J'apprécie. D'accord, merci, monsieur. J'apprécie. Il n'a pas pu l'apporter, alors je l'ai fait moi-même. Je comprends. Très bien, monsieur. C'est bien. Merci, monsieur. Nous allons partir maintenant. D'accord. Ok, j'apprécie. Papa, c'est notre voiture. Oui, c'est notre voiture. Oh mon Dieu. C'est trop cool. Si seulement ta mère était là, elle aurait fait partie de cette célébration. Je ne suis pas... Papa, maman est heureuse de là où elle se trouve. Je le sais. J'aurais aimé qu'elle partage notre choix. Écoute, papa, écoute. Tu m'aimes, moi. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Ok. Laisse-moi tester. D'accord. S'il te plaît, ne touche pas le volant, okay. D'accord? Ok. Tu vas m'apprendre à conduire bientôt? Oui, je le ferai. C'est bon. Viens, amène ces papiers à l'intérieur. Tiens. Amène-la à l'intérieur. Ok. Je vais tester certains trucs moi-même, hein? Ok. D'accord. Papa, non. Testons-le ensemble. Je vais les arrêter. D'accord. Viens par ici, viens, je veux voir si... Thank you.
papa? Bien. Ah, maman, bienvenue. Qui est venu avec cette voiture? C'est la voiture de mon père. Hein? Oui. La voiture de qui? La voiture de mon père. Ton père a acheté cette voiture? C'est vrai ça? Il l'a achetée. Ah ah. Je suis en train de le chercher, donc je dois y aller. Bien. Comment a-t-il... Il a déjà une voiture. Comment l'a-t-il eue? Eh bien, je me fiche de comment il l'a achetée. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne va pas en profiter tout seul. On verra ça. Lui seul, une grosse voiture comme ça? Hé hé, je vais en profiter avec lui. Les bonnes choses sont arrivées. Nous avons déjà une voiture. Je compte construire une nouvelle maison. Tout ça pour nous tous. Si seulement tu étais là. Si seulement tu étais ici pour profiter de tout ceci. Chaque fois que je pense à toi, je te remercie. Je me sens dévasté. Papa. Papa, maman est heureuse peu importe là où elle se trouve. Je sais qu'elle est contente pour nous. Tu ne dois pas pleurer comme ça tout le temps. Ça me brise le cœur de te voir ainsi. Allons à l'intérieur, je vais te cuisiner un truc à manger. Où est cette fille? Chiyoko! Papa! S'il te plaît, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On a la moitié de la journée pour y arriver. Hein? Oui, papa, j'arrive. Hein? S'il te plaît. Où est cette fille? Chiyoko! Ah ah! Chiyoko! Chiyo! Oh. Papa, ah, je suis là. Waouh! Tu es vraiment très belle, comme ta mère. Merci. Laisse-moi fermer ceci. Allons. Ne t'en fais pas, t'en fais pas. Je vais fermer le grand portail. Je vais fermer le grand portail. Et maman alors? Oublie-la, d'accord?
Veuillez entrer. Oui, merci. Merci, merci, monsieur. De grâce, veuillez dire à votre boss que je suis là pour le voir, ok? D'accord, monsieur. Ah, eh bien, belle maison, c'est toi qui as insisté pour... pour me suivre. Ah, monsieur Tika. Waouh, Ouchi. Soyez le bienvenu. Comment allez-vous? Vous savez, je comptais venir chez vous ce soir. Et maintenant, vous êtes là. Oh, eh bien, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, mon ange. Comment vas-tu aujourd'hui? Bien, merci. Si, vous aussi. Merci. Eh bien, elle... elle, c'est ma fille. Votre fille? Eh bien, elle a presque... elle a 16 presque 16 ans. Ah, c'est super. Ouais, elle est assez jeune. C'est magnifique. Eh bien... soyez les bienvenus chez moi. Merci. Ici, c'est ta maison. Ok? À chaque fois que tu veux rendre visite, tu peux venir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. D'accord? Merci. Ok, super. C'est gentil. Dites, qu'est-ce que je vous offre? Oh, une boisson gazeuse. D'accord. Hein? Aloy? Aloy? Alors? Monsieur? Viens, s'il te plaît. Ma puce, tu vas bien? Viens. Moi. Soyez les bienvenus. Allez, parle-moi. Heureux de vous revoir. Soyez les bienvenus. Oh, merci. Viens. Apporte-nous une bouteille de vin fraîche, ok? Ok, dépêche-toi. D'accord. Vas-y. Très beau. C'est super. Il y a un business dans lequel je voudrais que vous investissiez. Mais ne vous en faites pas, on en discutera plus tard. Oh. Ok? Très on bien. On en parlera plus tard. Tout de même, je ne vous remercierai jamais assez pour le don de cette voiture. Vraiment, voiture? Merci. Vous me remerciez encore? Mais je ne suis pas fan de voiture. En fait, je ne l'utilisais pas. C'est pourquoi je vous l'ai donné. Eh bien, tout de même, je vous remercie. C'est bon. Pas de quoi, pas de quoi. Ne vous inquiétez pas, c'est bon. Je vais prendre ça. Merci. Servir le vin. Ok. Eh bien, servez-la avant moi. Pardonnez-moi, les dames d'abord. Ok. Je sais. Merci. Je lui ai dit que le vin est bon pour le cœur. Monsieur, oui, monsieur. J'apprécie beaucoup. C'est pour vous, monsieur. Okay. Ouais. Vous savez, on est en train de porter un toast. Bien sûr qu'on le fera. Je veux porter un toast au nouveau business, au nouveau contrat. Longue vie. Et pour toi, comme tu es venu chez moi aujourd'hui. Heureux de te voir. Merci beaucoup. C'est super. Oui. Non. Monsieur Tika, à propos de cette affaire dans laquelle je voudrais que vous investissiez, vous voyez, la conclusion qu'on a eue la dernière fois qu'on a fait une réunion est que vous devriez entrer, acheter vos propres bus et la zone que nous couvrons, c'est ça le business. Monsieur Tika, merci d'être venu. De rien, monsieur, de rien. Merci encore. Entre-temps, je vous rendrai visite bientôt pour qu'on puisse parler de nouveaux business. Oh, ce serait bien. Ce serait bien. Moi aussi, je voudrais vous remercier pour votre hospitalité. Pas de quoi, c'est rien. C'est bon, c'est rien. Ma beauté, bye, beauté. C'est d'accord. Je t'en prie. Je vous en prie. Merci. Ouais. Mais quelle beauté. Mais quelle beauté. Je te promets qu'au moment où tu rentreras pour les vacances, j'aurai fini de construire la maison. Tu reviendras trouver une nouvelle maison. Je suis très contente d'entendre ça. C'est bon. Et de grâce, je ne veux pas recevoir de mauvais rapports te concernant. L'été caillé, je te promets que chaque week-end, je viendrai toujours te rendre visite. Et t'acheter de nouveaux trucs, tout ce que tu aimes, hein. D'accord, papa, je lirai mes cahiers et je serai la première de ma classe, si seulement tu me promets de prendre soin de toi et de ne plus pleurer sur la tombe de maman tout le temps. Je te le promets, ça n'arrivera plus, ok? Hein? S'il te plaît, monte. Alors, je serai la première. Je te fais confiance. Mon mari, je peux venir avec vous? Je descendrai au marché. Ma
Mama, bye bye. Papa, tu aurais dû la porter. Je ne veux pas la porter dans ma voiture. Pas même une fois. Tu dois lui pardonner, tu sais. Et toi d'abord, se pardonner. Écoute, je ne veux pas que quelqu'un gâche ton humeur. Je veux te ramener à l'école. Je veux que tu vives longtemps, ok? Il y a une chanson que je chantais toujours pour toi. Te banga bossa coming. Te wanna for te pare. Et yo que c'est pretty score, et voilà, happy power. Allez! Très bientôt, je vais acheter du concombre. Tous ces trucs qui feront très bien briller ton corps, je les achèterai. Hein? Je n'aime pas le concombre. Oh, j'ai failli oublier. Je t'achèterai la pastèque. Tu aimes la pastèque? Je vais écraser ça. Bien.
Et je t'achèterai des aubergines. Les vertes, pas les autres couleurs. Tu sais que celles-là ne sont pas bonnes. Elles sont sucrées, oh. Avec du sel. Du sel. Ok, c'est très bien. Elles sont sucrées. Papa, bon après-midi. Maman, bon après-midi. Va à l'intérieur et pose ton sac. Pourquoi restes-tu là debout? Que veux-tu? Hein? Papa, je veux te parler. Yeah. Ne peux-tu pas voir que ton père est occupé? Nous discutons. Papa, c'est quoi son problème? Oh, j'ai dit, va à l'intérieur et tu m'attends. Va à l'intérieur. Comme je te le disais, oublie cette fille. Tu sais, son attitude, ces derniers temps, c'est juste pour cacher ma bonne humeur. Chaque fois que je suis content, elle vient. Oublie-la, d'accord? Prends ça. Bois tout ton verre pour que je t'en ajoute, d'accord? Bien, je le demande. Non, je vais aller moi-même. Chiyoko! Si je t'attrape là-bas, je vais casser ta tête! Ah, mon cher époux, ce n'est pas Shuigo, c'est moi, oh. Attends. Désolé. Oh, désolé, je pensais que c'était... Entre. Bien. Eh bien... Délicieux comme d'habitude, hein? Je sais. Oh, c'est bon. Mon amour. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a renvoyé de l'école hier pour mes frais de scolarité. Et je dois jeter mon foie au milieu du Wayek. Tu penses que c'est le meilleur endroit pour demander ça? Je suis venue dans ta chambre, mais tu m'as demandé de partir. Je n'ai pas d'argent. Mais c'est juste. Je n'ai pas d'argent. Où est cette femme? Où es-tu? Viens vite, je n'ai pas tout mon temps. Nai, pardon. Nai, pardon. Étais-tu obligé de peindre toutes les parties de ton corps? Nai, pardon, désolé pour le retard. Je devais me faire belle pour toi. Oh. Tu comprends? Oui. Tu es très belle, hein? Allez, viens dans mes bras. Oh, d'accord, chérie. Oh, tu es vraiment belle. Merci. Tu es radieuse. Viens, on y va. Oh, pardon. Je ne ferai plus cette erreur. Oh. Ne t'en fais pas. Je ne ferai plus cela la prochaine fois. Hein? Maman, papa a refusé de payer mes frais de scolarité. Ça ne me regarde pas. Il y a des vêtements sales. Va les laver. J'ai promis to take care of me, papa. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, namoy. Can you name it namoy? Hey, namoy. Alléluia, moi,
promise to take care of me, Papa. And you promise to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, memory. Give me mirror, memory. J'ai parlé avec ta mère hier. Ouais, ouais. Exactement. Alors, toutes les dispositions seront prises avant que tu n'arrives, ok? C'est d'accord. Exactement, oui. Deokashi, bonjour. Ah, Chiugo. Quand es-tu revenu? Hier. Alors, comment va l'école et comment tu vas? L'école, ça ne va pas, et moi non plus. Que se passe-t-il? On m'a renvoyé de l'école. À cause des frais de scolarité du Wayek. Et mon père dit qu'il n'a pas d'argent. Ton père dit qu'il n'a pas d'argent? Il ne peut pas dire ça parce que nous savons tous qu'il en a. C'est d'accord. Va à la maison. Je viendrai lui parler. Tu en es sûr? Oui, je le ferai. S'il te plaît, fais-le. Je sais que mon père a de l'argent et qu'il ne veut pas seulement me donner. Je ne sais pas pourquoi il a changé. Quand est-ce que Chika a pu devenir si méchant comme ça? Hey, c'est bon. Mon Dieu. Je viendrai. Ok, papa. Je viendrai lui parler. Merci. Je vais m'en aller. Ok, vas-y. Ne t'en fais pas, d'accord? And you promise to make me feel like a queen now. Those things you promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, memory. Ugo m'a encore ensorcelé. Hey. Comment tu vas? Chika. Hey. Sois la bienvenue. Merci. Hey, memory.
Chica, sois la bienvenue. Merci. Oui. Chica, ta fille était ici. Elle m'a dit que tu n'avais pas d'argent à lui donner pour qu'elle puisse payer sa scolarité. Comment peux-tu lui dire de telles choses? Mais je n'ai pas d'argent. Chica, comment peux-tu dire que tu n'as pas d'argent? Ete, oui. Es-tu mon comptable ou bien? Ou alors tu es dans mes poches? M'as-tu donné de l'argent pour que je le garde? Chica, qu'est-ce qui t'arrive? Ete, oui. Si c'est pour cette raison que tu m'as appelé ici, je suis désolé. Je dois partir. Je dois aller dans mon chantier maintenant pour superviser ce qui se passe là-bas. Chica, Chica, donne de l'argent à ta fille afin qu'elle puisse payer sa scolarité et qu'elle retourne à l'école. Et donne-lui toi-même. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey. Chica, je le répète encore, donne de l'argent à ta fille afin qu'elle retourne à l'école. Qu'est-ce qui arrive encore à cet homme? Pourquoi est-il subitement devenu méchant? You promised to take care of me, Papa. And you promised to make me feel like a queen now. C'est vraiment incroyable. Incroyable. What made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, maman. Hey! Hey! Quel terrible drame! Hey! C'est terrible ça! Un véritable désastre! C'est une vraie catastrophe! Que se passe-t-il ici? On a volé tout l'argent avec lequel il devait aller en Chine. J'ai vendu tout ce que j'avais. Tout. Juste pour assembler cet argent. Tous mes habits. Mes chaussures. Même ma voiture. Et de combien parle-t-on? $10,000. Hey! Même pas 10 000 naira. C'est pour ça que tu pleures. Ne t'en fais pas. Je te donnerai de l'argent pour que tu ailles en Chine. Tu dis que tu vas me donner l'argent? Tu as bien entendu. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, maman. Il va te donner de l'argent? Hey. Why did you change so much? What happened to you? Hey, maman. Dans cette enveloppe se trouvent $15,000 américains.
programme ton voyage en Chine. Chika Odogu. Merci. Le grand Merci, Odogu. Papa. Merci, le papa. Le super Odogu. Le super Maman. Odogu. Le grand Odogu. Chika Odogu. Ah, mon fils, viens. Tu repars en Chine. Maman, hein? Je suis arrivé. Ça, c'est mon fils, Maman, en route pour la Chine. Tu vois l'argent, si? Oui, oh. Je vais cacher ça. Très, très bien. Cache ça bien. Tu voyages bien, mon fils. Fais attention Bye. À toi, Bye. Mon fils. Hey! Mon fils, cache ça bien. Hey! Chika Odogu. Hey, hey! Odogu, 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 Odogu. Ha! Hey, Imoma! Le grand boss, mon mari chéri. Papa, j'aimerais te parler de mon école. Ah, Trigo. Si tu penses retourner à Lagos pour recommencer l'école, ne te mets pas ça en tête. Mais papa, je dois composer mon WAEC. Oui. Tu le feras dans ce village. Et quand tu auras fini, je m'assurerai de t'amener à Londres pour approfondir ton éducation. Quoi? C'est mon plan. À Londres? Je vais fréquenter à Londres? Bien sûr. Je m'assurerai que n'importe quel pays du monde où tu voudras fréquenter, je serai le premier à me renseigner dessus. Et le lendemain, tu y seras. Oh mon Dieu, merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse. Je lui ai parlé comme un frère, mais il continue à dire qu'il n'a pas d'argent. Honnêtement, je me demande ce qui est bien arrivé à l'argent de Chika. Je sais qu'il ne dépense pas souvent l'argent n'importe comment, mais que s'est-il passé avec son argent? Ah, je lui ai vu donner de l'argent à mon frère Bina cet après-midi. Il lui a donné 15 000 dollars. Il lui a donné de l'argent cet après-midi? 15 000 dollars? Hey! Depuis quand est-ce que Chika est devenu si méchant? Hey! Si je rate mon examen maintenant, quand pourrais-je le composer? Tu ne vas pas rater ton examen. Hmm? Je lui parlerai encore. Ok? Tu lui as déjà parlé, il ne me donnera toujours pas de l'argent. Hey! Ah, si je pouvais t'aider. Tout ce que j'ai à la maison maintenant, c'est juste 2000 naira. Mais, tonton, connais-tu quelqu'un pour qui je peux travailler? Hein? Vio, je dois travailler et avoir de l'argent, puisque mon père refuse de m'en donner. Je ne peux pas me permettre de rater mon examen. Parce que si je le rate maintenant, quand pourrais-je le composer encore? Ça me mettra en retard. Connais-tu quelqu'un pour qui je peux travailler, même si c'est un petit boulot? Chico, ma fille. Sois juste très forte. Hein? Elle pourrait encore changer d'avis. Je ne sais pas. J'ai pris pour qu'il change d'avis. Je m'en vais maintenant. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, namoy. Can it be when namoy? Hey. Give me
m'aider? Chica, tu es sur le point de sortir? Oui. Oh. Comme tu viens tôt le matin là, j'espère que tout va bien. Chica, mon frère, tout ne va pas bien. J'ai pas pu dormir la nuit dernière. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je me disais, comment est-ce que Uloma, ta défunte femme, se sentirait dans sa tombe si elle savait que sa fille ne pourra plus aller à l'école à cause d'une petite somme d'argent. C'est pour ça que tu es là? Oui, donne-lui donc de l'argent toi-même. Je n'ai pas d'argent, Chica. Mais je sais que tu en as. Tu as de l'argent. Des. Pour le respect que j'ai pour toi, ne t'avise pas de me faire passer pour un méchant. C'est ma fille. Mais c'est exactement ce que tes actions démontrent. Vraiment? Oui. Alors donne-lui cet argent. Mais excuse-moi. J'ai promis to take care of me, papa. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? Chica! Est-ce là ta réponse? Si je te donne 1000 naira, que pourras-tu faire avec? Je vais vendre les oranges. Hey! Hey! Pendant combien de temps vendras-tu les oranges et rassembler assez d'argent pour ton école? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je vais juste commencer d'abord. C'est d'accord. Attends-moi. J'arrive. J'ai promis to take care of me, papa. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, namor. Tiens, prends ceci. Merci beaucoup, tonton. Que Dieu te bénisse. Ah. Attends, ajoute ceci à cela. Merci, tonton. Non, non, ajoute ceci à ça. Merci, tonton. Que Dieu te bénisse. Et je ne l'oublierai jamais. Je t'en prie. Merci. Je vais commencer mon business. Je vais acheter les oranges aujourd'hui et commencer à les vendre demain. Bien. Merci, tonton. Que Dieu te bénisse. Merci. J'ai promis to take care of me, papa. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, namoy. Kini mire namoy. Hey.
Coupe, coupe. Cette orange est sucrée. Aïe. Et wow, pourquoi tu n'en as plus? Celle-ci, c'est la dernière, mais j'en aurai encore demain. Mais vous devez d'abord me payer. Comme ça, j'irai m'acheter. Ces oranges sont sucrées. Venez, laissez ces trucs. Allez commencer le travail. Le boss est venu, vous ne voyez pas? Patron? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Bien, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Es-tu sûr que ce parapet est assez solide? Oui, c'est solide. Très solide. Le menuisier l'a fabriqué très solide. Tu en es sûr? Oui, monsieur. Je t'avais dit que je veux que cet endroit soit nettoyé. D'accord, monsieur. Cet espace. Ce sera fait. Venez voir à l'intérieur. Bonjour, papa. Finir. Bienvenue, monsieur. Comment allez-vous? Papa, papa, bon après-midi. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, namoy. Can you even namoy? Monsieur, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà terminé avec l'intérieur. Je dois aménager dans un mois. Sans problème, monsieur. Ce sera fait. Je prendrai plus de main-d'œuvre. Comme je l'ai dit, je veux que cet endroit soit nettoyé. Sans souci. J'apporterai un camion plein de pierres. Hein? Sans souci, monsieur. Il doit y avoir de l'espace quand ça viendra. Hein? Oui, monsieur. C'est d'accord. Ne vous en faites pas, vous aimerez la maison quand on aura fini. Je l'espère. Papa. Ok, monsieur, bon retour. Peux-tu me déposer au carrefour? Monsieur, saluez-nous votre famille, hein? Papa. Alleluia,
those things he promised. What made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, namoy. Kini mire namoy. Hey, Hallelujah,
Bien, 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 bien. Que fais-tu avec ce plateau? Ah, ah, je suis un chien qui aboie. Mais, n'est-ce pas à toi que je m'adresse? Comme tu peux le voir, je vais au marché vendre mes oranges. Vendre tes oranges avec mon plateau? Allez, ramène ça à l'intérieur avant de gâter mon plateau. C'est le plateau de ma mère, pas le tien. Oh, oh, tu as grandi. Tu es déjà assez grande pour m'insulter, n'est-ce pas? Maman, je ne t'ai pas insultée. Ok, je suis devenue une menteuse aussi, n'est-ce pas? Hein? Je ne mens pas. Que se passe-t-il? Viens voir ta fille, oh. Hein? Elle m'a traitée de sorcière. Quoi? Elle m'a insultée. Et elle a ajouté que je suis une menteuse. Qu'est-ce que tu dis? Papa, c'est faux, je ne l'ai pas insultée. Tu te taire? Tu traites ma femme de sorcière? Papa, ah ah. Et jusque-là, tu nies encore. Tu es malade? Papa, je n'ai pas traité l'affaire de sorcière. Tu n'es qu'aimé. Tu es déjà grande. Au point d'avoir le toupet de traiter ma femme de sorcière. Uh-huh. Et quand je parle, tu oses toujours nier. Tu es malade. Tu es malade. Uh-huh. Idiote. Seigneur. Uh-huh. Fouille-moi cette fille. Merci beaucoup. Dégage de mon chemin. Hey. Ramasse mon plateau, ramasse mon plateau. Mon plateau. Allez, ramasse mon plateau et tu l'amènes à l'intérieur. Rapporte-le à l'intérieur. Idiote, idiote. J'ai entendu ton père. Il a dit que je dois te discipliner. Tu vas voir. Mon Dieu, s'il te plaît. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur, sorcière. Allez, va à l'intérieur. Allez, lève-toi vite de là. Et où? Chérie, ne t'en fais pas. Je la fouetterai bien, espèce d'imbécile. Say you promise to take care of me, papa. And you promise to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, maman. Tonton Kashi, je ne l'ai pas traité de sorcière. Je lui ai juste dit que le plateau appartenait à ma mère. Qu'est-ce qui est arrivé à Chika? C'est bon, arrête de pleurer, hein? Je viendrai à la maison et je leur parlerai tous les deux. Ça ne va pas, tonton, je vais les maudire. Je vais me déshabiller et maudire mon père et ma seconde mère. Non, tu ne dois pas en arriver là. Il est encore ton père. Je sais qu'il retrouvera la raison. Quand je vois mon père, il ne reviendra pas à la raison. Il reviendra. Il le fera un jour. Le temps guérira tout, ok? On veut trouver de l'argent pour acheter d'autres oranges et vendre. Où? Je ne sais pas où. C'est bon, je te l'avais dit. J'enverrai un message à mon fils de m'envoyer un peu d'argent. Et lorsqu'il le fera, tu recommenceras à vendre les oranges, ok? Ah, merci. Et chaque fois que tu auras faim, viens chez moi, ok? Ah, que ferais-je sans toi, tonton? C'est bon. Je ne sais pas où. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Mmh. Ne pleure plus, ok? Attends, je vais t'apporter quelque chose à manger, ok? Say you promise to take care of me, papa. And you promise to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, namoy. Can it never namoy? Hey, namoy. Mama. Papa a tellement changé. Il ne me traite plus comme il le faisait autrefois. J'ai arrêté l'école. Je commande maintenant la nourriture. Cet endroit est si insupportable.
plus de paix pour moi dans cette maison. Si seulement tu pouvais revenir. S'il te plaît. Tu n'aurais pas dû mourir. Hugo. Lève-toi. Lève-toi, ma chérie. J'ai tellement mal en ce moment. Je te comprends. Allez, lève-toi. Lève-toi. C'est bon. Ça va aller. C'est bon. Ne pleure plus, ok? C'est bon. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne Suis-moi. Nouvelle? Oui. Mon fils m'a envoyé un peu d'argent. Donc, tu vas recommencer à vendre les oranges. Tiens. Merci, tonton. Je t'en prie. Tu peux venir à la maison, prendre un nouveau plateau. Merci beaucoup, tonton. Que Dieu te bénisse. Toi aussi. Va à la maison et lave-toi le visage. Désolé. Que cette fille cache l'argent qu'elle vole à son père. Mince. Hey! Elle est foutue, celle-là. Elle est vraiment foutue cette fois-ci. Mon argent. Ah. Où est mon argent, non? Hé, je l'ai mis là à l'intérieur. Pourquoi je ne le retrouve pas? Viens ici. Maman, as-tu vu de l'argent? As-tu vu de l'argent dans mon sac?
Donc, c'est toi la voleuse dans cette maison. C'est toi qui voles l'argent dans le sac de mon mari. Non, maman, je n'ai volé aucun argent. Oh, tu oses mentir? Tu mens? Mets-toi à genoux. Maman, s'il te plaît, je n'ai pris aucun argent. J'étais à genoux, madame. Donc, tu mens encore. Comment peux-tu être une voleuse? Une belle fille comme toi. Hein? Maman, je ne suis pas une voleuse. Ok, c'est moi la menteuse maintenant. Non. Je mens? Couche-toi là. Maman, pardon, non. Pardon de quoi? Si je me lève d'ici, je vais tripler le fouet. Couche! Mon ami, couche-toi. Tu penses que je joue avec toi? S'il te plaît. Si tu ne te couches pas bien, je manque un coup, je le triple. Couche-toi. Jésus. Seigneur, Seigneur de quoi? Couche-toi, mon ami. Maman, pardon. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Compte. Allez, couche-toi vite. Quand je te fouette, tu comptes. Un. Deux. Ah, ah. Ton corps, c'est le bois ou le fer? Jésus. Jésus de quoi? Madame, couche-toi. Quel genre de Jésus? Ça me fait mal. Que ça te fasse mal. Prochainement, tu ne voleras plus. Tu ne voleras plus. Prochainement, tu ne voleras plus. Couche-toi. Couche-toi, espèce de voleuse. Désolée. Voleuse. 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 S'il te plaît. Est-ce que maman, tu vas encore voler? Une petite fille comme toi vole? Idiote. T'ai-je demandé de te lever? Hein? Couche-toi. Jésus. Jésus, mon œil. Jésus. C'est Jésus qui t'a demandé d'aller voler? Hein? Tu... Fille stupide, que je t'attrape encore. Que je t'attrape à genoux. Les mains en l'air, madame. Les mains en l'air. Mets-toi bien à genoux. Reste comme ça. Je suis extrêmement dessous de toi. Donc maintenant, tu entres dans ma chambre pour me voler? Je te le disais depuis. Laisse-moi te dire la vérité. Je n'ai pas volé ton argent. Je ne suis pas entrée dans ta chambre. Demande à maman. Maman, la ferme. Quelle maman? Comment tu as eu cet argent? C'est Aidé Okachi qui me l'a donné. Comment Aidé Okachi a-t-il pu te donner une telle somme d'argent? Cette fille ment tellement. Et je te parle, tu dis maman pardon? Donne-moi 5 minutes, je vais tuer cette fille. Naï, la machette. La machette est derrière. Ah bon? Oui, prends ça, je l'ai aiguisée. Maman, s'il te plaît, je n'ai pas volé cet argent. Je ressemble à ta mère. Maman, s'il te plaît. Maman, ne l'as-tu pas vue? Naï, la voilà qui fuit. Naï, tu veux partir d'ici? Cette fille est une grande criminelle. Une braqueuse. Elle est. Oui. C'est ce qu'elle est devenue. Ne t'en fais pas. Voleuse. Hugo, fuis bien, je sais quoi faire. Tu sais quoi faire, tu aurais dû la tuer aussi. Je voulais couper ses deux jambes. Couper ses pieds, pourquoi? Tu aurais dû la tuer quand tu en avais l'occasion. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais quoi faire. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did you change so much? What happened to you? Hey, memory. Can you even memory? Hey. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'est maman et papa. Ils m'ont battu et pris l'argent que tu m'as donné. Ils t'ont battu à cause de l'argent que je t'ai donné? Oui, et ils disent que je l'ai volé. Je n'ai volé aucun argent. Non, c'est inacceptable. Suis-moi, on y va. Gamgakoro akuku amoy
Chica! 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 Hey. Hein? Qui a-t-il? Tu te tais, madame. Je ne suis pas là pour toi. Appelle ton mari tout de suite. Mon mari est très occupé en ce moment. Revenez plus tard. Chica! Viens ici, je sais que tu es. Ok, c'est bien. On ne peut plus se reposer dans sa propre maison. Je suis dépassé. Hein? Chica! Comment as-tu pu user de méchanceté envers ta fille après qu'elle t'ait dit que je lui ai donné de l'argent? Aidez. Oui. Le monde entier est au courant que tu es trop pauvre pour avoir une telle somme. Oui. C'est à moi que tu parles comme ça? Elle est ma fille et j'ai tous les droits de la discipliner quand elle agit mal. N'oublie pas que je suis capable d'envoyer l'esprit de sa défunte mère te hanter, toi ainsi que ta femme. Ne mentionne pas mon nom. Ne mentionne pas mon nom. Toi, tu la fermes maintenant et rentre à l'intérieur. Aidez. Oui. Je t'ai donné assez de respect. Maintenant, sors de ma concession. Hé, la prochaine fois que tu me provoques jusqu'à ce point, je ne vais plus me contrôler. Maintenant, dégage de chez moi. Je vais partir. Chica, je vais partir. Mais rappelle-toi, je suis capable d'envoyer l'esprit de sa défunte mère te hanter, ainsi que ta méchante femme. Tu ne feras rien du tout. Hein? Je dis, tu ne feras rien du tout. Je t'ai dit que si tu me provoques encore, j'enverrai la police. Et ils t'arrêteront où que tu sois. Je t'enverrai la police. Et crois-moi, ils s'occuperont très bien de toi. Quitte ma concession avant que je ne fâche. C'est ce qu'on verra. Chica, c'est ce qu'on verra. Quoi? Hé, va à l'intérieur. Va à l'intérieur maintenant. Papa. Si je te touche avec mes mains, je vais te battre jusqu'à la mort. Va à l'intérieur. Tu appelles qui, papa? Je vais tuer cette fille. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu vas mourir? C'est quoi ton problème, hein? Ne la laisse pas. Maman, pardon. Maman, s'il te plaît. Maman, oh mon Dieu, maman. Tu resteras dans cette chambre jusqu'à ce que je te demande de sortir. Maman, s'il te plaît, laisse-moi te demander quelque chose. Tu vas souffrir. Je peux manger. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Maman. Maman. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Oh mon Dieu. Maman, s'il te plaît, tu m'entends? Ouvre la porte. Maman. Maman.
Tu as l'air effrayé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Ezenwaye. Je ne dors plus. Je ne cesse de voir des choses étranges. Et ce, et tout le temps. Dernièrement, j'ai vu deux esprits étranges danser dans ma concession et pilant dans un mortier. Ce sont des danseuses. Ce sont des danseuses de malheur. Quand ils dansent dans ta concession, la pauvreté te visite pendant longtemps. Et la pauvreté est un malheur. Et c'est vrai. Pardon, qu'est-ce qu'on doit faire? Rien. Absolument rien. Ton père n'a absolument rien fait. Il est mort la nuit où il a affronté. Et c'est vrai. Pardon. Ezenwaye, aide-moi. Je ne veux pas retourner à mon passé. Je ne veux pas retourner dans la pauvreté. À nouveau. Pitié, aide-moi. C'est difficile. Quiconque promet de faire quelque chose est un menteur. Il faut seulement une vie. Une vie. Une vie. Une vie. So much misfortune. Oh, yeah, look at my life, oh, hey, so much suffering. I fall for it, where am I? Here I, every day, my suffer, suffer. Give me come here, oh, man, nothing on my, man, nothing on my. I have tried everything I can do, but nothing seems to be working. Where others go and succeed, if I go there, I will be stuck. Can I come here? I fulfill a boy more. Look at my life, oh. Hey, hey, get my disease check. Jimmy, come na joy. Ça revient encore. Qu'est-ce qui revient encore? Trouble, trouble every day. Gakos your name, God for the none. If enough, I fall for a boy. Hey, you're a Jimmy, become a tassa. I send you my car. So you promise to take care of me, Papa. And you promise to make me feel like a queen. Papa! Papa, s'il te plaît, tu m'entends? Ouvre la porte. Papa! Papa, s'il te plaît, ouvre-moi la porte. Papa, s'il te plaît, tu m'entends? Papa, s'il te plaît, tu m'entends? Papa. Monsieur Uchina, bienvenue. J'apprécie. Comment tu vas? Bien. Nous n'avons pas de vos nouvelles depuis des semaines. Oh, j'étais tellement occupé à surveiller mes chantiers.
J'ai plusieurs chantiers qui sont en cours en même temps. Je vois, je vois. L'un est presque déjà achevé. C'est super, c'est magnifique. Et l'autre au niveau de la fondation. C'est magnifique. Eh bien, serrons-nous la main. D'accord, d'accord. Je vous en prie, allons à l'intérieur que je vous offre. Non, 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 non. Je suis juste venu pour t'informer que nous avons conclu le contrat avec les Blancs qui seront avec nous dans le projet. Et nous avons décidé de faire de vous l'un de nos actionnaires. Quoi? Ouais. Oh mon Dieu! Je vous remercie. Pas de quoi. En passant, où est votre fichier, Hugo? Oh, elle est à l'école. Oh, vous me l'avez dit, vous me l'avez dit. J'ai ok. À la semaine prochaine. Bien. N'oubliez pas de venir chez moi demain pour qu'on discute davantage de ce projet. Oh, bien sûr, j'y serai. Ok. Je viendrai, d'accord? En passant, j'aime la façon dont vous brillez maintenant. Oh, que dire d'autre? Je suis rempli d'argent. Super, on se voit. On se voit demain. On en veut toujours plus. L'argent est bien. L'argent est bien. Ah. Okachi. Aidez Okachi. Chugo. Aidez Okachi. Chugo. Bon après-midi. Pourquoi es-tu comme ça? Je ne sais pas où. Je ne sais pas. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. J'ai promis to take care of me, papa. And you promised to make me feel like a queen now. Oh, those things you promised. What made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, mama. Give me marinade.
Je n'arrive pas à croire que ton père ait pu faire ça. Je n'arrive pas à y croire. Cet homme est sans cœur. La vérité est que je suis très affamée. Affamée? Je n'ai rien mangé depuis hier. Tu n'as rien mangé? Rien du tout. Seigneur, viens. J'ai vraiment. Je vais te trouver un truc à manger. Naï, Shuiko s'est échappée, oh. Quoi? Comment ça elle s'est échappée? N'as-tu pas bien fermé la porte? Je l'ai fait. Alors comment a-t-elle pu s'échapper? Je suis sûr qu'Okati l'a aidée. J'irai dans sa maison et lui dire de la ramener ici. C'est ce que je vais faire. Je sais quoi faire. Je viens avec toi. Attends-moi ici. Où est ma fille? Tu as perdu la tête? Comment saurais-je où se trouve ta fille? Tu sais où elle se cache? Remets-moi ma fille! Si tu ne le fais pas, je te ferai arrêter! Tu es cinglé! Quand j'aurai fini de m'occuper de toi, on saura qui est cinglé! Chiyugo est porté disparu. Si cela est vrai, alors cette méchante femme y est pour quelque chose. Ou alors, Chika l'a-t-elle utilisée pour des rituels d'argent?
those things you promised. What made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, Mama. Officier! Officier! Voici l'homme qui a kidnappé ma fille. Chica! Tu réalises ce que tu es en train de faire? Officier, arrêtez-le! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Avancez. Je ne sais pas. Je ne sais pas, madame. On m'a demandé de le déposer ici. Qui vous a demandé de l'amener ici? Un chauffeur. Qui vous a demandé de l'amener ici, non? Hein? Est-il arrivé, Obi? Hein, Obi? Ogini? Hey, on dirait qu'il est devenu fou. Il est fou. Aidez-moi, je vous en prie. Hey! Que s'est-il passé? Viens! Viens que je te dise! Hein? Que t'est-il arrivé, mon fils? Je t'en prie. Obi! Oh! Obi! Naïm, pardon, pardon, pardon. Naïm, viens voir ce qu'ils ont fait à mon fils. Oh, la folie. Hey! Naïm, pardon, sors et viens voir. Obi. Seigneur, que m'a reçu.
Naïm, pardon, viens, 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 viens. Pourquoi viens. Tu me regardes? Yo! Ouais, négro, que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Un chauffeur l'a ramené ainsi. Laissez. Laissez. Obi, je dis laissez. Hey! Donc, c'est ça. Ça c'est quoi, Naï? S'il te plaît, amenons-le à l'hôpital. Non, c'est ma maison. Je n'irai nulle part. Amenons-le chez un psychiatre, s'il te plaît. Ah oui, je t'en prie. Où vas-tu? Je suis venu à la maison. Ma maison. Je n'irai nulle part. Attends, je dois t'amener quelque part. Hey. C'est bon, calme-toi. Ma maison. Calme-toi, c'est bon, calme-toi, c'est bon. Du calme. Bah, par ici. Du calme. Non, non, par là, par là. Ici. Viens, viens, là. Mon fils. Hé, hey, maman. C'est bon, va à l'intérieur. J'entre. Va, va, va à l'intérieur. Non, eh bien. Hein? Reste ici. Hein? Que je ne vienne pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Reste ici. Hey! C'est encore quoi cette histoire? Hey! Mes ennemis m'ont... Ils m'ont finalement eu. Mes ennemis ont encore recommencé. Ah! Oh, mon seul enfant. Mon seul enfant. Hey! Je suis fini. Oh. Hey! Oh mon Dieu, tu es super, super, mais alors super drôle. Mais c'est vrai. J'étais surpris, mais tout le monde portait du rouge. Je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il faisait tout ça? Et la femme derrière portait des lunettes du soleil. Oh, tu l'as aussi vue? Bien sûr, mais j'étais genre... Quoi? Je quoi? Devais observer, car ils étaient tous en rouge. C'est quoi la couleur de la Saint-Valentin? Rouge et blanc. Oh, waouh. Alors vous m'avez laissé au lunch, n'est-ce pas? Pour vous amuser ici, hein? Mais frère, ta petite amie Nancy, elle était là avec toi, non? Ouais, c'est vrai. Eh bien, félicitations. Pourquoi? Tu vas à Londres la semaine prochaine avec Nancy. Je ne comprends pas. Tu la rejoindras la semaine prochaine à l'école. Tu veux dire, j'irai fréquenter à Londres? Exactement, mon ange. Oh mon Dieu, je... Je suis tellement, tellement contente. Alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est ton visa. Oh, je suis tellement contente là. Merci. Ouais. Merci. Je suis content pour toi. Je suis content merci pour beaucoup. Toi. Merci. Ouais, je suis content. Sérieux, pour toi. Je ne m'attendais pas à ça. T'es contente, pas vrai? Ça mérite d'être fêté. Ok, allons-y. Allons-y. Allons, ça va, tu... Allons-y. Je vous suis. Yeah, you promised to take care of me, Papa. And you promised to make me feel like a queen now. Those things you promised, what made you to change your mind? Why did it change so much? What happened to you? Hey, Mama. Soyez le bienvenu. Mon fils. Monsieur. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Si tu n'étais pas venu, je serais toujours enfermé dans cette Dieu vie. Vous en garde, monsieur. Vous êtes un homme de bien. Et j'aimerais aussi vous remercier. Hugo m'a raconté comment vous l'avez tellement aidé. Merci infiniment, monsieur. J'en suis reconnaissant. Merci. Je t'en prie. Tonton, la bonne nouvelle, c'est que j'irai à Londres pour continuer mes études. Hein? Londres? Oui. Je le savais! Je savais qu'un jour tu réussiras dans la vie. Amen. Tu deviendras une grande Amen. Femme. Amen. Amen. Ce n'est pas tout, monsieur. De grâce. Prenez ce petit truc. Hein? Ça, de grâce, prenez-le. Et je viendrai de temps en temps pour vous rendre visite. Tu appelles ça? Hein? Oui, c'est pour vous, monsieur. Hé hey, hé! Hey! Tu
Tu as pas ça, ces trucs, monsieur. Hey, Hugo, merci beaucoup. De rien, tonton. Que Dieu te bénisse. Ce n'est rien. S'il te plaît, une fois que tu seras à Londres, hein, n'oublie pas de m'écrire. Hein. N'oublie pas de m'écrire, oh. Je n'oublierai pas. Parce que tous ces bobos papiers de Londres, j'aimerais bien les voir. C'est d'accord. C'est super. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bon, on va y aller, monsieur. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Hey! Hugo, que tonton. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Hey! Bye. À plus tard, tonton. Ok, ma fille. Bye bye. Bye. Hey! Chukwego. Hey, hey! Enfin, je suis revenu chez moi. L'argent. Hey! Avant que quelqu'un ne le voie, à l'intérieur de ma poche. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey. Hugo. Chica, je suis de retour chez moi. Chica, dis bien. Ah! Oui, maman. Hey! Moi, Chica, dis bien, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Aïe! Ije, je suis toujours étonné comment tout ce que j'avais a disparu. Tout d'un coup, j'ai tout dépensé sur mon fils Obi. Je n'ai même pas 200 naira. Je dis bien 200 naira. C'est terrible. C'est terrible. Mais dis-moi un truc. Est-ce vrai que tu as fait enfermer Okachi? Ichi, oublie ça. Je te parle de ma situation. Je te parle de ma situation. Que j'oublie celui que tu as jeté en cellule et que je me préoccupe de ta situation? Hein? Laisse-moi te dire, tu vas souffrir. Hein?
Tu m'as bien entendu. C'est à moi que tu dis ça? Tu m'as très bien entendu. Tu vas souffrir. Et terriblement. Chica, méchant et égoïste. Très, très égoïste. Et méchant. Ce plat pas dans mon repas, je vais manger, j'ai faim. Priscilla, j'ai faim. Dépêche-toi, j'ai déjà très faim. Porte quoi? Mbaki, à l'heure où je te parle là, ma situation est pire qu'elle ne l'était avant. Pitié, tu peux faire quelque chose? Ta femme t'avait-elle dit quelque chose? Ma femme, je ne me souviens pas. Il y a un truc que j'aurais dû faire. N'oublie pas de dire à ton mari de ne pas quitter ce village avant que 3 années soient passées. Peux-tu me dire où étais-tu allée et pourquoi es-tu revenue en pleurant? Au moins, il n'y a personne ici. Parle-moi. Promets-moi que tu prendras soin de Diego. Je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Je vous ai libérés. Vous êtes libérés. Nous libérés de quoi? Délivrés de la pauvreté. Quand le moment viendra, prends juste soin de Diego pour moi. As-tu vu un dibia pour des rituels? Quand le moment viendra, ne quitte pas ce village avant que 3 années ne passent. Tu aurais dû me laisser faire cela. C'est moi l'homme. Je suis inquiète par rapport à Diego. Tu ne m'as pas promis que tu prendras bien soin d'elle. Je prendrai soin de Diogo. Je m'occuperai d'elle. Tu as brisé la promesse que tu lui avais faite. Hein? Et tu resteras à jamais pauvre. Eh oh! Pardon, aide-moi. Je suis à genoux devant toi. Je t'en supplie, aide-moi. Fais ce que tu peux faire. Je suis fini. Ma vie est vraiment... vraiment foutue. Pitié. Aide-moi. Aide-moi, je peux faire n'importe quoi. Après ça, je suis capable de tout. Il n'y a qu'une seule barre qui reste. Je la donne. Si cette barre finie, je suis foutu. Pardon. Je suis pourri à l'intérieur. Dedans et dehors. Il ne me reste plus de brin de vie. Je t'en supplie, je te donnerai tout ce que tu demandes. Tout ce que tu demandes, je te le donnerai, x10. Tant que l'argent arrive. Pitié, je ne vis plus. Hein? Ce ne sera pas moi. Hein? Pourquoi tu n'as pas demandé à ta femme où est-ce qu'elle avait fait le rituel? Eh oh! J'ai oublié. J'ai complètement oublié. Y a-t-il quelque chose que j'étais censé faire?
avec cette information? Je ne peux pas t'aider. Hey, oh. Oh. Maggie. Pitié. Hein? Pitié, je sais que tu peux m'aider. Tu peux t'en aller. Hein? Ah. Oh. Pardonne-moi. J'ai dit va-t'en. Hey. Bienvenue, monsieur. Et monsieur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Monsieur Chika. Monsieur. Je ne me rappelle pas vous avoir invité chez moi. Monsieur, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, monsieur. De l'aide? Oui, monsieur. De quelle aide vous êtes en train de parler? Monsieur, c'est mon fils. Il a besoin d'un job. N'importe quel type de job. Oui. Hein? Même si c'est tendre la pelouse ou couper les fleurs. N'importe quoi, monsieur. N'importe quoi. Il peut le faire. Du moment où il y a de l'argent à la fin du boulot. Oui, monsieur. Hein? Oh, oui. Oui, monsieur. N'importe quoi. Sait-il conduire? Hey! Vraiment très très oui, bien, monsieur. Je conduis n'importe quoi. Même les chars, monsieur. Les camions, les voitures, n'importe quoi. Je peux conduire. S'il vous plaît, monsieur. C'est bon. Vous êtes engagé. Hey! Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci énormément, que Dieu monsieur. Vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. Mais avant, ma sœur devrait me confirmer que toi, tu es un bon chauffeur. Ok, monsieur, ce n'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème, monsieur. Ce n'est pas un problème. Je suis prêt pour le test. Je peux conduire n'importe quoi. N'importe quoi, monsieur. N'importe quoi. N'importe quoi. Donnez seulement. Je peux conduire n'importe quoi, monsieur. N'importe quoi. Oui. J'espère que tu vas t'en sortir. Non, pas ça, quand même. Monsieur? Puis-je vous poser une question un peu embarrassante? Monsieur, hey! C'est pour ça que je suis ici, monsieur. Qui suis-je? Je suis là pour l'entretien, monsieur. Je suis là pour l'entretien. Je suis là pour l'entretien. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Oui, monsieur. Interrogez-moi. Interrogez-moi. Monsieur. Où se trouve votre fille, Twiggy? Ah, hey! Cette idiote! Hey! Cette idiote s'est enfuie avec des bandits de grand chemin. Là où elle est, je ne peux même pas passer. Si je la vois, je vais la tuer. Elle est morte pour moi. Je ne veux rien entendre d'elle, d'ailleurs. Vous m'avez poussé à prononcer son nom ici. Cette fille est une idiote. C'est un animal stupide. Si je l'attrape, où je la verrai? Je la tuerai pour avoir sali mon nom. Stupide. Sali mon nom stupide dans le fille. Village. Ah, c'est là? Une fille très stupide. Oui. Très, très stupide. Pourquoi est-ce qu'elle se comporte mal comme ça? Oh, ma kounyambo. En fait, monsieur, pour être sincère avec vous, je ne suis pas content. Vous avez gâché mon humeur. En effet, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Oui, monsieur. Oubliez ça, ce n'est pas pour ça que nous sommes c'est là. C'est bon, désolé, monsieur. Je suis calme, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je trouve ça difficile. Désolé, je suis confus. Tu es en train de dire que ta propre fille s'est enfuie? Qu'elle s'est enfuie avec des bandits de grand chemin, de grands voleurs, des brigands, des tueurs, des dealers, hein? Des pousseurs c'est pas de pour ça que nous sommes ici. Des fans de pieds. Comme mon père, c'est là où elle dire. C'est comme ça que sont les choses, monsieur. Oui, je vois. Une fille très têtue, vraiment très têtue. Elle n'écoute absolument personne. Je vois. En tout cas, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Hein? Oui. Monsieur, je vois. Ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Pas de soucis, c'est bon. Tu commenceras ton travail aujourd'hui. Hey! Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Hey! Hi! C'est bon. Assieds-toi. Tu amèneras ma sœur à l'aéroport aujourd'hui. L'aéroport? Merci, monsieur. On est d'accord, j'espère. Je suis d'accord, monsieur. Plus que d'accord. Merci, d'accord. Monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ça marche. Alors, messieurs, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Permettez que j'aille la chercher. Ok, monsieur. Je vous reviens. Merci, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur. C'est bon. Je t'avais dit qu'il accepterait. Hein. Tu travailles à l'aéroport. Ce n'est pas un problème. Hey, regarde-moi, ne m'oublie pas. Tu travailles à l'aéroport. Papa, arrête de parler comme un villageois.
Ou le rapport entre la voiture et l'avion. On n'a pas encore fini, donc restons tranquilles. Ok. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, monsieur. Oh, merci beaucoup. Monsieur. Pas vous, votre fils. Combien pensez-vous que je peux vous payer? Un sage. Monsieur, arrête, calme-toi. Laisse-moi. Calme-toi. C'est à moi qu'on a demandé. Monsieur. N'importe combien, n'importe quelle somme, monsieur. N'importe quelle somme. Eh bien, vous savez, n'importe quelle somme que vous pouvez donner à un jeune homme. Je suis preneur. Oui. Oui, ça m'ira, monsieur. Oui, monsieur, n'importe combien. Tu me fais comprendre que tu n'as pas de prix. Tu es désespéré, n'est-ce pas? Monsieur. Comme je vous l'ai dit, monsieur, n'importe combien. Tout ce que vous donnerez à un jeune homme, ça le fera sourire. Okay. Vous comprenez? D'accord, sans problème. Oui. Monsieur. Ok, je verrai quoi faire pour ça. Permettez. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Chérie! Mon bébé! Qui? Mon ange? J'arrive. Ok. Arrive. Nous t'attendons. Oh, chérie, je suis là. Mon ange, qu'est-ce qui te retenait? Donc. Oui. Donc, c'est lui le nouveau chauffeur? Oui. Hey! Papa, tu vois ce que je vois? Ma sœur. Hugo. Hugo. Excuse-moi. Hugo. Excuse-moi, je ne suis pas ta sœur. Oui. Donc, il sera mon chauffeur, c'est ça? Oui, il sera ton chauffeur. Pourquoi? J'espère que tu ne sens pas. Sentir? Oui, car je n'aime pas les gens qui puent. Non. Chérie, pourquoi il a laissé misérable? C'est mon père. Il ne savait pas qu'il commencera le travail aujourd'hui. Son père vient juste de l'amener ici pour me demander si j'avais un emploi vacant pour lui. Donc, il n'a pas eu le temps de s'habiller pour l'occasion. Il aurait dû se laver au moins. Hé, monsieur, tu l'as entendu? Monsieur. Grâce, quand tu viendras demain, habille-toi. C'est d'accord, si monsieur. Tu viens ce soir, je te donnerai de l'argent pour acheter du déodorant et du savon pour te laver, ok? J'ai un parfum dans la voiture, tu peux l'utiliser. C'est mieux. C'est mieux. Bon, allons-y. D'accord, vas-y. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Viens. Eh oh! Hello! Vous ne travaillez pas? D'accord. C'est comme vous voulez. Obi, tu ne vas pas conduire, Chico. Conduire quoi? Hein? Papa, comment tu peux dire ça? Si tu étais à ma place, tu conduirais? Aurais-tu été capable de bouger le volant? Papa! Papa, c'est de Chico dont on est en train de parler. Hein? La même personne qu'on a humiliée. Je ne... Seigneur. C'est trop ça. So much misfortune, boy, I look at my life, oh, hey, so much suffering, I fall forward, where am I? Yeah. Nai, bienvenue. Femme, tu as oublié de venir me remercier. Oh, tu ne m'as pas dit de venir te remercier. Je ne savais pas. As-tu besoin qu'on te rappelle? Désolée, je viendrai demain te remercier. Les choses n'ont pas été faciles pour moi, mais je viendrai demain. Pardon. Tu dois mourir. Non, non. Suffering,
I have tried everything I can do, but nothing seems to be working. Where others go and succeed, if I go there, I will be stuck. Can I come here? I fulfill a bueno. Look at my life. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Oh! So much misfortune, for you look at my life. Oh, I so much suffering. I fall forward where my every day I suffer, suffer. Give me come here. Nothing on my. I have tried everything I can do, but nothing seems to be working. Where others go and succeed, if I go there, I will be stuck. Can I come here? I fulfill a bueno. Look at my life. Pourquoi mon main est comme ça? Elle ne dort pas? Maman? Hey! Maman! Hey! Hey! Maman? Hey! Maman? Hey! Maman? Maman? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, fais pas ça. Maman, ne fais pas ça. Maman, lève-toi. Papa, qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte, maman. Hey! Non. Elle est morte. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, maman. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Maman. Maman. Qu'est-ce que j'ai fait? S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, maman. Maman, lève-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Lève-toi, pardon. Lève-toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, maman. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Aidez-nous. Maman, s'il te plaît. Aidez-nous. Maman. De l'aide. De l'aide. De l'aide. Maman. Look at my life. So much misfortune. For you look at my life. Oh, so much suffering. I fall forward where my every day I suffer, suffer. Give me come here. I have tried everything I can do, but nothing seems to be working. Where others go and succeed, if I go there, I will be stuck. Give me come here. I fulfill a bueno. Look at my life. Hey, hey, que ma visite, tu me comme la joie. Mène nos dilemmas, mène nos dilemmas. Hey, suffer, suffer every day. Hey, trouble, trouble every day.